Pour chers frères et sœurs, bienvenue sur ce bord. Nous nous retrouvons pour une vidéo hors du commun. Si ça c'est vrai, c'est que vraiment c'est grave. Selon l'information que j'ai reçue, ce businessman a été empoisonné par sa femme et sa sœur. C'est-à-dire la sœur à sa femme. Quoi, sérieux? Et ça s'est passé quand? On lui dit le dimanche 1er août dernier. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte? On dit maintenant, mais pourquoi? Par rapport à quoi? On lui dit qu'elle le soupçonnait de la tromper. Hein? Donc, pour tromper, oui, on doit empoisonner quelqu'un. Tiens! Parce que c'est trop. Tu dois l'empoisonner. Parfois, je ne comprends pas le monde. On dit que quand elle a commencé à le soupçonner, de tout, bon, quand elle a découvert que le gars avait une tisa, une petite goule à dehors, elle a informé sa soeur. Maintenant, les deux, hein, au lieu de se donner le bon conseil, hein, la seule punition que ces gens ont pu trouver de ce monde-là, c'est d'éliminer le gars, lui ôter la vie en l'empoisonnant. Maintenant, quand elles ont empoisonné la nourriture et que le gars a mangé, elles ont fermé la porte pour qu'il reste à l'intérieur. Que le gars finit de manger, il est tombé. Il a commencé à crier à l'aide, à essayer d'appeler les voisins. Ces deux femmes, elles ont fermé la porte. Avec le bruit qu'il faisait là, mais ça a quand même alerté le voisinage. Les voisins sont arrivés où? Ils trouvent le gars mort. Ça, c'était clair. Tous les signes étaient présents pour nous montrer qu'il y avait un cas d'empoisonnement. Comment on peut être aussi bête? C'était une femme sous bête. Ouais, c'était une femme sous trop bête. Ce qui s'est passé de déjà de l'idée là, je vous le dis. Ça continue encore. Les femmes sont facilement séductibles. Le diable peut facilement les tromper avec ses mauvaises idées. Elles se rendent compte les deux femmes. Aucune d'entre elles n'a pu conseiller l'autre. Jean pour dire que non, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on trouve un moyen de régler le problème. Mais non, c'est l'empoisonnement. Souvent, trop regarder les films, c'est pas bon. Hein. Elles se croyaient peut-être dans un film. Mais la vie, ce n'est pas un film. Alors que le gars, selon l'information qu'il a reçue, il a acheté une voiture pour la go, en fait pour la femme. Il avait acheté une nouvelle voiture pour cette femme il n'y a pas longtemps. Mais il avait une entreprise, un magasin, tout, où il peut vendre des choses. De nos jours, combien de gars peuvent-ils faire ça? Combien de gars peuvent-ils faire ça? Même s'ils te trompent. Hein? Même s'ils te trompent. On dit aux gens, donnez vos vies à Dieu, les gens ne sont pas prêts. On dit aux gens, abandonnez la sorcellerie, ils ne sont pas prêts. Maintenant, vous regardez ce que la société vous donne. Regardez ça. Tu peux marier, tu peux épouser une femme. Tu vois, parce que tu as épousé une bonne femme. Jackie, c'est une femme sorcière même qui peut tuer. Qui a possédé déjà même ta boudia pour commencer. Elle a possédé même déjà pour commencer. Ah, le gars est mort.
On dit un business fort, un businessman, un homme d'affaires. S'il peut acheter une voiture pour que sa femme aime lui construire une entreprise, c'est que c'est un businessman à succès, qui a connu le succès, qui a réussi. En tout cas, moi, je ne fais pas confiance et je ne ferai jamais confiance aux femmes. Même à l'homme. L'homme en général, mais je ne fais pas confiance. Surtout à la femme. Surtout à la femme. Alors, ce qui se passe là, ça là, nous allons commencer à nous méfier. En tout cas, quand je regarde ça, non, j'étais étonné. Je dis, ça cause à plein de gars dehors que je puisse, que je passe marier. Il y a plein de gars dehors qui ne veulent même pas avoir affaire même aux femmes à cause de la sorcellerie. En tout cas, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que dans ce combat que je mène contre les sorciers, contre le diable, ces démons, il y a beaucoup de femmes qui ont été prêtes à me faire du mal. C'est-à-dire quand le diable est venu à dire, oh, qui est prête à venir faire du mal à Agnès Ribon? Les femmes, elles se sont levées en première position, pour venir. Oui. C'est depuis ce jour-là. Moi et la femme. Le lien brisé. Je ne perds même plus mon temps. Je ne perds même plus mon temps. Et souvent, ce sont les filles, elles n'ont rien. Tu es là, tu viens, tu les aides. Maintenant, c'est tel, maintenant, après, c'est te tuer. Jean pour dire, ceux que tu as été là, ce sont ceux qui cherchent maintenant à t'enfoncer. Donc, moi, je te rends service. Et toi, tu me fais du mal. Donc, c'est moi que tu trouves bête. A, O, I, A. Donc, c'est quoi? C'est mes soeurs, les filles, les mamans, les gentilles mamans. Continuez à être gentilles. Parce que toutes les femmes ne sont pas des mauvaises femmes. Ouais. Il y a des bonnes femmes aussi. Mais vous les hommes, sachez qu'il y a des femmes sorcières. Une femme sorcière, elle obéit aux ordres du diable. Tout ce que vous allez lui dire, ça ne va rien lui faire. Ce n'est pas une histoire d'amour. L'amour n'existe pas dans ça. Quand le diable vient la posséder, là, le diable ne connaît pas l'amour. Le diable, c'est le diable. Tant que le mal n'est pas consumé, elle a continué dans ça. C'est-à-dire empoisonnement. Et elle a même, elle et sa soeur, elles ont même fermé la porte afin que le gars puisse bien souffrir. Souffrir jusqu'à la mort. Si tu n'es pas une sorcière, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'es pas, une sorcière. Souvent, là, avant de pousser les filles, là, faut les tester. Quand ils disent de les tester, si vous ne pouvez pas d'enlever la caleçon, il faut les tester. Mets-la à l'épreuve. Cherche à savoir, quand elles se mettent en colère, là, comment est-ce qu'elles se comportent? Si vous avez pu maîtriser ça, il y a beaucoup de choses que vous allez maîtriser par la suite et tout ira bien. Mais si vous n'avez pas fait le test d'abord, ni prier pour demander à Dieu de vous montrer qui elle est, dès que vous allez l'épouser, il suffit seulement qu'il y ait un petit truc, une petite colère, elle va se mettre à tout détruire dans la maison, tout détruire ce que vous avez pris du temps à construire. Faites attention, ne faites pas entrer n'importe qui dans votre vie. Et c'est aussi le même conseil pour les bonnes mamans, les bonnes femmes, les bonnes filles qu'il y a là-dedans aussi. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.